Alors, je suis Mimodia Lidimène, je suis écrivain panafricaniste, je suis biologiste et informaticien. Et en fait, ce livre-là est un cri de cœur à travers lequel donc, j'ai voulu exprimer mon désarroi par rapport à tout ce qui arrive à l'Afrique, à travers les phénomènes que tout le monde connaît, l'esclavage, la colonisation et le néocolonialisme, qui ont fait de l'Afrique un continent déshérité, un continent qui a subi tant de mal. Et il faudrait en ce moment-là expliquer à la jeunesse et surtout à tout le monde les atrocités auxquelles le continent africain fut confronté et essayer de trouver des perspectives et des solutions. Donc le but de ce livre-là, c'est vraiment d'expliquer l'ensemble de ces phénomènes-là et traiter également des questions d'ordre géopolitique et géostratégique. Dans ce livre-là, nous avons une dizaine de chapitres où il y a des zones de critique, mais également il y a des zones de proposition de solutions. Parce que critiquer, c'est bon, mais proposer des solutions, c'est toujours largement mieux. C'est dans ce sens-là donc, que j'ai voulu le faire, parler du franc CFA, parler du problème du djihadisme au Mali, et parler également de l'avènement du coronavirus, la démocratie qui est dans nos pays, mais également tant d'autres problématiques. Mais vraiment, c'est un livre qui est très très ouvert. Et aujourd'hui, il est très très bien vendu dans le monde entier.